appris la nouvelle par mon agent qui m'a dit qu'il y a un club belge qui me voulait, Charleroi. Et à la même veille, il m'a dit que le coach et le président de Charleroi allaient m'appeler. Et ils m'ont dit qu'ils avaient vraiment besoin de moi. Et c'est comme ça qu'ils se sont arrangés avec mon club, Maccabi, et je suis venu. Le coach m'a dit qu'il me faisait beaucoup confiance, qu'il attendait que je m'investisse plus dans l'équipe, qu'il avait besoin de moi dans les lignes, la percussion et tout. Et aussi, il m'a montré comment on joue ici dans le système de jeu. J'ai déjà eu l'occasion d'aller en ville avec l'un de mes amis qui est ici. On se connaissait de longue date. Et quand il a appris qu'il a signé ici, on a repris contact, on a commencé à parler. Bon, ici, c'est bien parce que ça parle français. Il me sent tout de suite comme chez moi. C'est ce qui fait la différence. Hein. En Israël, il parlait anglais, il apprenait. Même si souvent, il voulait m'exprimer, mais j'arrivais pas, je comprenais, mais j'arrivais pas à bien m'exprimer. Ici, je parle tranquille, ça va. Mes deux matchs étaient bien. Mes coéquipiers m'ont mis bien tout de suite dans le jeu. Je sais que on n'a pas fait la préparation ensemble, mais au fur et à mesure, ils vont comprendre certaines de mes qualités. Je peux apporter plus et jouer un rôle important comme tout joueur de Charleroi. Mes qualités sont plus vers l'avant, les percussions, vision de jeu et aussi mettre des buts. Hein. Oui, mettre des buts, c'est important. C'est important parce que ça met le joueur en confiance. Et c'est ça, hein, mettre des buts, c'est tu te sens bien après. Ça permet de gagner. Sans but, il n'y a pas de victoire. À la fin du match, j'étais un peu triste d'avoir perdu ce match. On avait bien commencé à l'extérieur. On menait même. Mais à chaque fois qu'on marquait, on encaissait trop vite, on relâchait. Et c'est ça, c'est le football, on ne doit pas relâcher. On doit continuer, on doit se battre. On doit protéger le but. Mais ça, on a appris ensemble, on a appris ensemble. Et on va passer cette étape-là. Pour cette nouvelle étape, mes objectifs personnels sont de mettre plus de buts et de passes D. Et ensuite, envoyer l'équipe pour haut, hein, avec l'aide de mes coéquipiers. Salut chers fans, je vous invite pour le prochain match à la maison. Venez massivement, ensemble on aura cette victoire-là. Let's go!